Enfin, l'école japonaise avec le kaizen, qui signifie amélioration. Ces améliorations se font sans investissement, ni gros moyens, en impliquant tous les acteurs d'une entreprise, des directeurs aux ouvriers. Cette démarche repose sur des petites améliorations faites jour après jour, mais constamment. C'est une démarche graduelle et douce qui s'oppose au concept plus occidental de réforme brutale ou du type rupture. En quoi consiste l'innovation participative? Dans chaque entreprise, il existe un réservoir magique qui déborde d'idées. Le plus souvent, ce vivier est peu ou mal exploité. Ce réservoir d'idées est aujourd'hui une base d'opportunités dont l'entreprise ne peut se passer. Pour ce faire, l'entreprise doit offrir à l'ensemble des collaborateurs des outils qui permettent de capitaliser et d'être réactifs par rapport aux innovations ou améliorations. L'exemple d'une filiale d'Areva, qui regroupe 1200 salariés sur un même site, illustre bien l'adage « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Une petite idée relative à la programmation du chauffage a permis d'économiser 60 000 euros. L'idée de modifier un outil dans le traitement des déchets a permis de réduire la masse de déchets à traiter de 1,3 kg à 300 g. Ce changement a généré des gains significatifs sur les coûts de traitement des déchets d'exploitation. L'innovation participative est portée par l'association Innovacteur en France. On y retrouve des grandes enseignes françaises telles que Renault, Accor, Veolia. Retenons que l'innovation participative est un des leviers d'avantage compétitif pour une entreprise et ce, à moindre coût. Elle nécessite une bonne gestion des compétences et des projets. L'innovation participative conduit progressivement les salariés à devenir des intrapreneurs. Nous allons aborder cette notion d'intrapreneur dans la prochaine diapo. L'intrapreneur et l'entrepreneur non pas d'entreprise mais de projet innovant au sein d'une entreprise et agit, comme son modèle l'entrepreneur, dans un contexte risqué qui exige des réponses rapides pour saisir les opportunités. C'est un salarié hybride qui se situe entre un manager intermédiaire et un entrepreneur. L'entreprise a d'ailleurs du mal à lui faire une vraie place. Créé il y a 25 ans, le terme n'a pas connu pour l'instant de succès. Il est utilisé principalement pour évoquer des cas rares comme ceux rencontrés chez 3M ou Google. Pourtant, l'intrapreneur répond à des problématiques essentielles pour l'entreprise dans lesquelles ont été recherchées des structures souples pour réagir rapidement aux évolutions des marchés. Il existe un réseau socio-professionnel d'intrapreneurs qui est soutenu par une communauté permettant de partager et matérialiser les pratiques.